Aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés pour le temps de la rencontre. Ce temps qui est le tien, Seigneur, est aussi le nôtre. Trop souvent, il est habité par la futilité ou l'agitation, par la banalité et la répétition. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous devons nous convertir. Apprends-nous à inscrire ta nouveauté dans nos habitudes, ton espérance sur nos lassitudes, ta présence dans notre solitude, ta paix sur nos inquiétudes. Nous ouvrons les portes de notre vie pour accueillir ce temps nouveau que tu annonces, alors que ton esprit nous bouleverse, que ta parole nous transperce et que ton amour nous rafraîchisse. Oui, Seigneur, que ton évangile nous convertisse. Amen. Tous ensemble, ô notre Dieu, nous cherchons ta face. Au cantique 205, je vous invite à vous lever. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin, bienvenue à nos fidèles paroissiens et bienvenue à vous qui êtes ici peut-être pour la première fois ou en visite. Soyez tout particulièrement les bienvenus pour ce culte. Un culte un peu particulier pour moi, car c'est le dernier que j'aurai le privilège de célébrer ici en tant que pasteur ordinaire de cette paroisse. Ensemble, nous sommes venus louer Dieu et nous réjouir de sa présence. Il y a une habitude dans cette paroisse, c'est celle de suivre le lectionnaire. Or, si on s'arrête au lectionnaire catholique,
Cela m'aurait obligé aujourd'hui, en ce 15 août, à prêcher sur la fête de l'Assomption. Ce qui aurait été peut-être un peu délicat, surtout après toutes les discussions qu'il y a eu sur la prochaine tenue d'une messe dans cette cathédrale. J'ai donc préféré prendre un autre sujet, plus protestant, pour ce dernier culte, celui de notre fidélité à la parole de Dieu. Une fidélité qui se conjugue entre tradition et audace. Un message en guise d'exhortation pour ce lieu et cette communauté. Mais entrons dans ce culte par la louange avec cette magnifique prière de feu ma collègue Anne-Christine Menu-Lecourt. Prions. Vivre avec toi en toute simplicité, c'est ce que je désire, Seigneur. Avoir conscience de ta présence à chaque instant de mon existence. Te parler comme à un ami en toutes circonstances. Te confier mes pensées et mes actions. Vivre avec toi en toute simplicité, c'est réaliser à quel point je me complique la vie à m'énerver pour un rien, à m'enfermer dans mes frustrations, à prendre sur moi ce qui ne m'appartient pas. À toi qui lis dans mes pensées, qui connaît d'avance mes réactions, pourquoi ne pas me remettre entièrement entre tes mains et te laisser changer le cours de mon destin? Vivre avec toi en toute simplicité, c'est croire en toi et laisser agir ta parole en moi. Elle m'éduque à pratiquer la bénédiction, à vivre dans la reconnaissance, à puiser dans la source de la joie, à prendre soin de ta création là où je vis, dans l'ici et le maintenant. Vivre avec toi en toute simplicité, c'est accueillir ce que tu veux me donner dans un cœur à cœur ouvert et confiant. Amen. Et prolongeons cette belle prière en chantant le psaume 65 que vous trouvez au numéro 33. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. Thank you.
Ô Seigneur, nous avons la joie et le privilège de pouvoir te louer, de faire monter vers toi notre prière, et pourtant nous savons combien notre foi est fragile, inconstante, combien nous peinons à vivre à la hauteur de ton amour et de ta grâce pour nous sans cesse renouveler. Mais Seigneur, nous savons que tu es un Dieu d'amour et de pardon. Et c'est pourquoi, une nouvelle fois, malgré notre fragilité, nous osons venir à toi quémander ton pardon, non pas pour être lavés et repartir comme avant, heureux d'avoir fait ce qu'il faut, mais pour que, bénis par ton pardon, nous puissions reprendre notre route avec cette confiance renouvelée que tu chemines à nos côtés et que toujours tu es celui qui veut nous relever et nous ressusciter à la vie. Oui, Seigneur, nous te le demandons, bénis-nous par ton pardon. Frères et sœurs, c'est une parole certaine et digne d'être reçue avec confiance. Le Seigneur te connaît et il t'aime. Il te pardonne et t'accompagne sur tous les chemins de ta vie. Amen. Prions encore le Seigneur pour nous préparer à l'écoute de sa parole. Dieu de bonté, ouvre mes oreilles, que je perçoive ta parole, que je l'entende avec mon cœur et que je me laisse transformer par elle. Ouvre ma bouche, afin que je puisse te louer et t'adorer pour tout ce que tu as fait. Par ton esprit, rends-moi capable de redresser et d'encourager. Que mes paroles soient des paroles créatrices de relations, des paroles de guérison et de consolation, de libération et de réconciliation, des paroles capables de révéler des horizons neufs, de faire s'entrouvrir le ciel et de permettre à tous de saisir combien leur vie est unique et précieuse. Oui, Seigneur, ouvre mes oreilles et mon cœur à ta parole de vie. Amen. Nous allons maintenant entendre la parole de Dieu et c'est un grand plaisir de savoir que c'est Georges et Liliane qui vont nous partager ce matin les lectures. Dans la première lecture, on voit Paul encourager Timothée à rester fidèle à la parole et à garder le bon dépôt. La deuxième lecture est aussi de Paul, qui encourage les frères à faire preuve d'audace dans leur témoignage. Donc, dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, versets 6 à 14, on lit « C'est pourquoi je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. » Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, prisonnier pour lui.
mais souffre avec moi pour l'Évangile, comptant sur la puissance de Dieu qui nous a sauvés et appelés par un saint appel, non en vertu de nos œuvres, mais en vertu de son propre dessein et de sa grâce. Cette grâce qui nous avait été donnée avant les temps éternels dans le Christ Jésus a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, le Christ Jésus. C'est lui qui a détruit la mort et fait briller la vie et l'immortalité par l'Évangile pour lequel j'ai été, moi, établi héros, apôtre et docteur. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma foi et j'ai la certitude qu'il a le pouvoir de garder le dépôt qui m'est confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour norme les saintes paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont dans le Christ Jésus. Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. Et dans la lettre aux Philippiens, chapitre 1er, les versets 12 à 14, on lit. Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Dans tout le prétoire, en effet, et partout ailleurs, il est maintenant bien connu que je suis en captivité pour Christ. Et la plupart des frères, encouragés dans le Seigneur par ma captivité, redoublent d'audace pour annoncer sans peur la parole. Nous poursuivons avec la lecture de l'Évangile de Luc au chapitre 10, les versets 1 à 11, puis nous entendrons en résonance à ce texte un seul verset tiré du chapitre 10 de l'Évangile selon Matthieu. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres disciples et les envoya deux par deux devant lui dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Il leur dit : la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales, et n'échangez de salutation avec personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord « paix à cette maison ». Et s'il s'y trouve un homme de paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur,
Le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous accueillera pas, sortez sur les places et dites, même la poussière de votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la rendre. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est arrivé. Et donc, dans Matthieu, au chapitre 10, le verset 16, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. » Et nous reprenons le chant au cantique 347. Ce qui me frappe toujours à la lecture de l'Évangile, c'est la manière avec laquelle Jésus combine à la fois la fidélité à sa tradition et l'audace pour la faire évoluer. Jésus est juif, pratiquant. Ses parents l'ont éduqué dans le respect de la tradition héritée. Adulte,
Jésus continue d'honorer sa tradition et de pratiquer sa religion. On le retrouve au temple, à la synagogue, fêtant la fête de la Pâque, le sabbat. Jésus n'est pas là pour renier ou rejeter la tradition reçue de ses pères, non. Mais en même temps, Jésus ne cesse de questionner les pratiques, de mettre en cause les habitudes, de casser le carcan dans lequel s'est enferrée sa tradition religieuse. On le voit dès le début de son ministère, que ce soit en guérissant un malade le jour du sabbat ou dans l'évangile selon saint Jean, en utilisant les jarres destinées aux ablutions rituelles pour transformer l'eau en vin pour que la fête soit belle. Jésus casse les codes, non pas pour démolir ou affaiblir la tradition, non par goût de la provocation, mais pour la faire évoluer avec audace. Et Jésus, à travers son ministère, va apporter un souffle nouveau, autant dans la compréhension de la loi et des pratiques religieuses que dans la relation même avec Dieu. Par fidélité à sa tradition, Jésus ose la remettre en cause pour lui permettre de ne pas étouffer. Jésus reste juif, ses compagnons d'aventure avec lui, mais jamais sans cette audace, la parole de Dieu n'aurait-elle pu être partagée par un si grand nombre et touchée au-delà du petit cercle des Juifs de Judée. Les disciples eux-mêmes ont été, après la mort du Christ, un peu dépassés par cette ouverture soudaine. On le voit dans la confrontation notamment entre Pierre et Paul, pour savoir ce qu'on est prêt à abandonner des traditions pour permettre précisément à cette tradition une ouverture vers d'autres personnes qui sont en recherche, qui sont curieuses. Et c'est, je crois, le même mouvement qui a été à l'origine de la réforme il y a 500 ans. Les réformateurs n'ont jamais voulu la provocation ou rompre avec la tradition. Au contraire, les réformateurs ont toujours essayé de revenir au message originel du Christ, de retrouver la source même de l'Évangile, source qui avait été passablement obstruée au fil des siècles par une tradition et des pratiques qui avaient enfermé le souffle de l'Esprit dans un carcan d'ignorance, de corruption, de lutte de pouvoir. Et Paul déjà encourage Timothée à garder le bon dépôt, comme il le dit, par l'Esprit Saint. Garder le bon dépôt. Voilà bien l'intention des réformateurs, en dépouillant la parole de Dieu de toute pratique religieuse et de tout ce qui les avait avilis ou alourdis au cours des siècles. Et les réformateurs, à l'image du Christ, ont fait preuve tout à la fois d'une extraordinaire fidélité à la parole, on le voit dans leur volonté de constamment retourner au texte. Fidélité à la parole donc, mais en même temps audace fantastique. Ils ont osé prendre des risques, casser des codes, changer de langage, traduire, comprendre le monde dans lequel ils évoluaient pour apporter un souffle nouveau. Et c'est précisément en étant audacieux, courageux, qu'ils ont pu honorer avec fidélité leur tradition et rester les gardiens du bon dépôt reçu de leur père. L'audace n'est jamais contraire à la fidélité. Aujourd'hui, 500 ans plus tard, nous sommes un peu confrontés à la même situation. Et peut-être nous plus que d'autres qui avons le privilège de pouvoir célébrer le Seigneur dans ce haut lieu de la réforme, dans cette cathédrale qui a joué un tel rôle dans l'histoire de l'Europe. Qu'on le veuille ou non, cela impressionne de savoir qu'ici même l'histoire, avec un grand H, a été écrite. Alors nous pouvons à juste titre être fiers de cette
tradition, de cette histoire. Mais c'est notre devoir de l'honorer et de garder cet héritage. Et c'est vrai que lorsque dans quelques semaines, je serai avec mes catéchumènes en train de chanter des vieux psaumes de la Réforme au bord de la margelle de la tour de Constance à Aigues-Mortes, eh bien cela nous marque et cela nous rappelle d'où nous venons et ce que nous devons à nos courageux ancêtres. Mais cette tradition, elle doit nous porter. Elle doit être le socle, le terreau sur lequel nous construisons. Elle ne doit jamais devenir un carcan ou une simple répétition d'habitudes héritées. Et c'est en ce sens que je crois que notre Église est aujourd'hui à un tournant. Je l'ai souvent dit, notre Église doit éviter le double écueil de la citadelle et du musée, celui qui nous ferait nous replier, nous enfermer sur nous-mêmes, et celui qui voudrait nous inscrire dans la seule mémoire et la conservation d'un illustre passé. Être fidèle à l'intuition géniale des réformateurs dans leur propre fidélité aux origines de l'Évangile, ce n'est pas garder l'Église, la manière de faire, la tradition telle que nous les avons reçues, c'est les faire évoluer dans notre temps. L'Église telle que nous la vivons, dont nous avons hérité au siècle dernier, n'est déjà plus celle de Calvin. Le monde n'est plus le même. Les défis ne sont plus pareils. Nous sommes loin de l'Église de Calvin, et heureusement. Et pourtant, certains continuent de penser que nous devrions comme arrêter le sablier du temps et que notre devoir serait de transmettre aux générations l'Église telle que nous l'avons reçue. Mais être fidèle au réformateur, ce n'est pas garder le bon dépôt tel que nous l'avons reçu, comme un trésor que l'on peut enfermer dans un coffre scellé, mais c'est le faire évoluer. C'est parler le langage de notre temps, c'est écouter les questions et les aspirations du monde d'aujourd'hui, c'est être attentif aux codes et aux manières de faire de nos contemporains. Et dans ce défi qui est le nôtre, je crois que cette cathédrale, ce bâtiment pourrait jouer un rôle majeur. Car nous avons en effet ce privilège d'avoir hérité ce lieu symbolique et si chargé d'histoire. Et c'est une responsabilité, mais c'est aussi une chance unique. Certains considèrent alors leur mission comme étant celle de gardien du temple, c'est-à-dire de devoir protéger cette illustre bâtisse de toute attaque de la modernité. Mais cette cathédrale n'est déjà plus celle de Calvin. Calvin n'a jamais prêché dans cette chaire. Il n'y avait pas de portique, il n'y avait pas de flèche. Elle a heureusement continué constamment à évoluer au cours des siècles. Elle est aujourd'hui, cette cathédrale, le témoin de l'Église du XXe siècle, peut-être même du XIXe. Mais il y a certainement autant de différences entre le temps de Calvin est 1930 qu'en 1930 et aujourd'hui. Le monde a radicalement changé. Et les jeunes générations ont une relation à l'Église, à la pratique religieuse, totalement différente de celle que nous avons pu nous-mêmes connaître. Cela ne veut pas dire qu'ils soient moins religieux ou pas sensibles à la parole de Dieu, pas mus par une aspiration spirituelle. Je fais plutôt l'expérience inverse lorsque j'anime des groupes de jeunes et de jeunes adultes. Mais leur pratique religieuse est différente, elle a changé. Et c'est précisément dans ce contexte de déchristianisation, d'absence de repères, de perte de codes et de signes religieux que cette cathédrale, ce bâtiment si symbolique, pourrait et doit jouer un rôle particulier. Aujourd'hui, le texte de Luc 10 résonne d'une manière toute particulière à nos oreilles. Je l'ai du reste retravaillé cet été lors d'une retraite avec un groupe de jeunes adultes. Oui, la moisson est abondante et le nombre d'ouvriers limité. La tâche est donc immense. Mais nous voulons croire à la fidélité du Seigneur dans cette tâche qu'il nous confie.
Nous avons été frappés par le verset 4 en le relisant ensemble. « N'échangez de salutations avec personne en chemin. » Cela peut paraître étrange comme exhortation, mais nous l'avons comprise comme une injonction à ne pas nous laisser divertir de notre objectif, nous concentrer sur notre mission. Or, trop souvent, en Église, nous nous laissons divertir par d'autres préoccupations organisationnelles, financières, de gestion ou de pouvoir. Ne jamais oublier le cœur de notre mission et la faire vivre. Et on le voit au verset 7 quand il est demandé aux disciples de demeurer dans cette maison, c'est-à-dire de faire preuve de persévérance et de sincérité. Cette mission, elle s'exprime d'abord par le souci d'aller à la rencontre de l'autre, de ne pas rester figé dans l'entre-soi. Et elle ne s'égrène pas par la volonté de convaincre l'autre. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord « paix » dans cette maison. La mission première est d'être porteur de paix. Intéressant de noter qu'il est dit que nous sommes envoyés comme des brebis parmi les loups. Ce n'est pas une posture très enviable, je vous le concède. Mais on peut regarder aussi les choses différemment. La brebis pour le loup, c'est quoi? Eh bien, c'est sa nourriture. Eh bien, nous sommes appelés à devenir, nous aussi, comme une nourriture spirituelle pour nos contemporains, au milieu de la foule et non pas en restant simplement entre nous. Non pas convaincre l'autre d'une vérité dont nous serions porteurs, mais devenir témoins d'une paix, d'une grâce qui nous nourrit et nous fait vivre. Et pour entretenir cette grâce, nous devons, comme Paul encourage Timothée, prendre pour norme les saintes paroles dans la foi et l'amour du Christ. Garder ce bon dépôt, en être témoin, voilà bien notre mission, mais nous devons le faire non pas comme les gardiens de musée, mais comme Paul nous y encourage, en redoublant d'audace. Et je crois que c'est le grand défi de notre génération de croyants, et tout particulièrement, comme je le disais, dans ce lieu si chargé d'histoire, de trouver ce juste équilibre entre honorer notre tradition et témoigner avec audace, courage et renouvellement. Cette cathédrale, c'est intéressant de le noter, est à la fois, j'ai envie de dire, le rendez-vous des protestants convaincus qui aiment à venir dans cette cathédrale qui est leur lieu, et c'est bien ainsi. Mais cette cathédrale doit et devrait encore davantage participer à la mission d'évangélisation de notre Église. En effet, c'est souvent ici que viennent des personnes curieuses ou distantes, mais qui ont envie de vivre une expérience, un culte. La cathédrale doit alors être vraiment un outil, j'allais dire, extraordinaire pour la mission, pour faire connaître l'Évangile à tous ces touristes aussi qui passent la visite. Mais je ne suis pas sûr que nous soyons toujours assez attentifs à ces personnes curieuses et les aidons suffisamment à trouver les portes d'entrée vers un cheminement de foi. Un peu peut-être par paresse spirituelle, et moi le premier, je crois que nous nous contentons de ce que nous avons toujours su faire. Et je crains qu'aujourd'hui, cela ne suffise plus toujours. Alors, pour cette mission, le Seigneur nous donne encore une recommandation. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme les serpents, et candide comme les colombes. Candide comme une colombe qui se laisse pousser par le vent, par le souffle de l'esprit, mais aussi avisée, rusée comme un serpent. Cela pourrait surprendre
comme recommandation, tant le serpent a mauvaise presse, à commencer par la Bible. Mais le terme grec utilisé ici, que l'on traduit généralement par rusé, c'est phroninos, il ne veut pas vraiment dire tricheur, rusé dans le sens de tromper l'autre, ou pire, de le piéger en profitant de ses faiblesses. Ce terme a une connotation positive, rusé ou plutôt avisé, malin, dans le sens où il s'agit de trouver toujours le bon moyen, qui ne sera pas toujours le même, pour aller au but, pour apporter cette paix, pour être témoin de cette grâce. Rusé, audacieux comme le serpent. Le monde dans lequel nous évoluons est un monde difficile. Et la situation de nos églises et du christianisme en Occident est précaire. Nous ne pouvons pas, par fidélité mal comprise à la tradition, nous accrocher seulement aux pratiques, aux coutumes, aux manières de faire héritées. Si nous ne voulons pas être réduits dans un avenir proche au rang de gardiens du musée, nous allons devoir, par fidélité même à la parole, pour garder le bon dépôt, pour apporter la paix et offrir une nourriture spirituelle à nos contemporains, oui, nous allons devoir redoubler d'audace en devenant toujours plus avisés comme des serpents et en nous laissant toujours davantage, telle la colombe, portée par le vent de l'esprit. Amen.
Ta promesse, Seigneur, est vivante parce qu'elle fait vivre. Elle est actuelle parce qu'elle traverse les cloisons du temps. Elle est universelle parce qu'elle est inscrite au plus profond de chacun de nous. Mais ta promesse n'est vivante que si elle anime en nous une espérance active. Elle n'est actuelle que si nous lui offrons un espace d'incarnation aujourd'hui, et elle n'est universelle que si nous la laissons nous rassembler à travers le défi de toutes nos différences reconnues et acceptées. Creuse en nous, Seigneur, la capacité d'accueillir ta promesse dans toutes ses dimensions et donne-nous par l'Esprit le courage d'y consentir d'une foi sans faille. Seigneur, j'aimerais aujourd'hui élargir notre prière aux dimensions du monde en te remettant nos frères et sœurs aux quatre coins du monde qui aujourd'hui encore, avec fidélité, sont réunis à l'écoute de ta parole. Nous pensons tout particulièrement à celles et ceux qui vivent leur foi dans un contexte de guerre, de violence, de persécution. Nous te prions pour toutes nos communautés sœurs, catholiques, évangéliques, protestantes, ici à Genève. Et nous te prions pour les autorités de notre Église, pour le conseil de cette paroisse, pour les collègues fraîchement nommés dans cette paroisse, pour qu'ensemble, nous puissions, au souffle de ton esprit, être les témoins joyeux et avisé de ta parole. Nous te prions pour nos autorités politiques, ici à Genève et en Suisse, pour que toujours et encore, elles puissent œuvrer pour toujours plus de justice et de paix dans ce monde. Nous te prions pour celles et ceux qui vivent un été difficile parce que confrontés à la maladie, à la précarité, au deuil, à la séparation. Accompagne chacune et chacun d'entre nous dans chaque étape de sa vie. Et nous te prions tout particulièrement pour ceux que nous aimons et qui nous sont si chers. Enfin, toutes nos prières, Seigneur, nous voulons les réunir maintenant dans celles que ton Fils nous a donné et qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Cette semaine, nous poursuivons donc dans notre région nos rencontres hebdomadaires à 19h30 à la paroisse de Malagnoux. Puisque Bible ouverte, vous aurez ainsi la chance de pouvoir partager un moment de partage biblique. Et c'est moi qui aurai le grand plaisir de vous accueillir mardi à 19h30 au centre de Malagnoux. La semaine prochaine, c'est Vincent Schmitt qui aura le plaisir d'être ici, d'animer le culte. Moi-même, je serai à Champelle. Voilà pour les annonces d'aujourd'hui. Je vois mon président qui trépigne. Alors, je vais, je pense, te donner la parole. Merci. Chères paroissiennes et chers paroissiens, cher Emmanuel, aujourd'hui, nous t'avons entendu avec plaisir prêcher sur notre engagement dans cette cathédrale.
En ta qualité de pasteur de la paroisse, comme tu l'as dit toi-même, c'était la dernière fois, puisque tu rejoins dès la rentrée la nouvelle paroisse du centre-ville Rive-Gauche. À ce titre, nous t'entendrons encore certainement ici. C'est l'occasion pour le conseil de paroisse de Saint-Pierre, que je représente, de te remercier chaleureusement de tout ce que tu nous as apporté. Emmanuel Fuchs est pasteur de notre paroisse à mi-temps depuis l'automne 2015, soit il y a 6 ans. Emmanuel a occupé en même temps la lourde charge de président de l'Église protestante de Genève pour son autre mi-temps. Pendant ces années, et grâce à ton sens de l'organisation proverbiale et que tout le monde te reconnaît, tu as su mener de front la direction de l'Église et notre paroisse dans un ministère particulièrement complexe, et tout ça sans compter ton temps. On ne résume pas 6 ans en quelques minutes, mais j'aimerais toutefois relever quelques points du ministère d'Emmanuel Fuchs chez nous auxquels nous avons été sensibles. D'abord, ton charisme certain auprès de la jeunesse, qui t'a toujours beaucoup apprécié, et en particulier les catéchumènes. Cette activité, rappelons-le, est une des priorités de notre conseil de paroisse. Elle est capitale pour l'avenir. Quelle patience t'a-t-il donc fallu pour commencer à rassembler, à partir de Pâques et même un petit peu avant, une volée de catéchumènes pour l'automne? D'abord, la constitution de listes de candidats potentiels. Puis, les téléphones innombrables aux parents et aux candidats. Bref, un temps considérable pour édifier un noyau viable pour le mois de septembre. Ensuite, c'est les rencontres hebdomadaires, toujours prioritaires sur toute autre activité. Il était inutile de te demander de participer à une séance ou une activité dont l'horaire entrait en collision avec le temps consacré au catéchisme. Il faut aussi citer ton accompagnement et ton suivi discret mais présent auprès de chaque jeune qui t'était confié. Et au bout de 2 ans, la fête de la confirmation, hélas bien perturbée ces 2 dernières années par les mesures sanitaires. J'aimerais rendre hommage à Emmanuel pour le développement de l'accueil à Saint-Pierre. Dans ce lieu solennel, c'est un peu une gageure. C'est en partie à toi que nous devons la constitution d'une équipe pour organiser les rencontres apéritives d'après-culte, dont la pandémie nous a privés depuis quelque temps. Vous êtes nombreux à avoir apprécié ces moments chaleureux et conviviaux. Ensuite, j'aimerais mentionner ton amour pour tout ce qui parle anglais. À la suite, assurément, d'études fructueuses que tu as accomplies au pays de Thomas More ou de Saint-Anselme, d'où un élargissement de l'accueil à la cathédrale des communautés anglophones les plus diverses présentes à Genève. C'est pour nous une ouverture de nos horizons, mais aussi pour ces communautés une reconnaissance à laquelle elles sont, nous le croyons, très sensibles. L'ouverture à d'autres communautés chrétiennes, c'est aussi l'œcuménisme. Ce n'est pas toujours facile, mais grâce à tes fonctions dans l'Église protestante de Genève, tu as pu développer des contacts fructueux avec la principale Église chrétienne de Genève, l'Église catholique romaine, et son vicaire épiscopal, Pascal Destieux. Ce fut plus que des contacts fructueux, mais une véritable fraternité qui a permis à notre paroisse, selon la volonté clairement exprimée par notre conseil,
de s'ouvrir encore davantage envers une communauté avec laquelle nous avons certes des différends historiques, mais avec laquelle nous avons aussi et surtout une véritable communion dans la proclamation de l'Évangile. Cher Emmanuel, je tiens donc, au nom du Conseil de la paroisse de Saint-Pierre, à exprimer notre profonde reconnaissance pour l'exercice de ton ministère dans nos murs. Je te remettrai tout à l'heure, en notre nom, un témoignage de gratitude qui te permettra de visiter certains endroits insolites de notre pays. Merci. Merci beaucoup, Daniel, pour ces mots dont je ne suis pas sûr de mériter toute la teneur, mais je les accueille avec reconnaissance. Ma première vocation a toujours été celle de pasteur de paroisse, un ministère que j'ai appris à aimer à travers la figure de mon mentor, le regretté révérend Noden en Angleterre. Alors pour faire suite à ce que tu disais, j'ai une pensée émue pour lui et son épouse ce matin. Ministère que j'ai exercé d'abord à Aunay, puis à Chênes, et ensuite à la demande de mes collègues, c'est vrai, j'ai accédé à la présidence de l'Église, ministère que j'ai pu combiner avec ma présence ici à Saint-Pierre. Ce fut des années passionnantes, où avant d'être le berger d'une communauté, j'ai cherché à faire évoluer, avancer notre Église. Ce fut aussi, ne le cachons pas, des années difficiles, car toute volonté de faire avancer les choses se heurte inexorablement à des résistances. Mais après ces années qui ont été comme une parenthèse dans mon ministère, je retrouve mes premiers amours, pouvant me consacrer à plein temps au ministère local, de proximité dans la paroisse Rive Gauche, comme tu as pu le dire, et malgré une certaine déception peut-être de n'avoir pas toujours pu faire bouger les choses comme j'aurais aimé le faire, je garde de très beaux souvenirs de mes années ici à Saint-Pierre. Et j'aimerais remercier tout particulièrement deux personnes, toi d'abord, Daniel. J'aimerais te remercier très, très sincèrement. Tu as toujours, Daniel, manifesté à mon égard un soutien et une loyauté sans faille, et je t'en suis extrêmement reconnaissant. Tu as été pour moi vraiment un pilier, un roc. Et j'aimerais aussi dire ma reconnaissance à Sabrina, qui est là, qui m'a fait le plaisir d'être là ce matin. Sabrina est notre secrétaire de paroisse. Elle est aussi discrète qu'efficace. Et ce fut un vrai bonheur de partager les bureaux avec toi toutes ces années. Tous ces petits cafés, ces moments de partage et d'amitié ont été extrêmement bénéfiques pour moi et vont me manquer. Et un grand merci à vous tous qui m'avez soutenu dans la prière durant toutes ces années. Et puis, évidemment, un merci aussi à Vincent Thévenin, avec qui je partage le ministère depuis maintenant de très nombreuses années, puisqu'on a commencé à Chênes ensemble et qu'on s'est suivi ici de près à Saint-Pierre. C'est toujours un bonheur de collaborer avec Vincent. Et puis, j'aimerais terminer avec un petit clin d'œil pour dire toutes ces belles rencontres que j'ai faites durant ces années, je ne les oublierai pas. Et puis une mention spéciale quand même, ils se reconnaîtront ou elles se reconnaîtront pour l'équipe de la prière du jeudi midi. C'est toujours un vrai bonheur de vivre avec vous, c'est une équipe exceptionnelle. Alors que le Seigneur vous garde toutes et tous dans sa bénédiction. Merci infiniment. Et je vous invite à chanter pour dire notre reconnaissance au Seigneur, cantique pendant lequel l'offrande sera recueillie, c'est le cantique 402.
Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand nos occupations, nos soucis, ou encore les séductions de la vie envahissent tout notre espace, aide-nous, Seigneur, à te garder une place dans notre cœur, aussi petite soit-elle, un lieu de paix, pour nous recentrer sur toi et méditer ta parole en tout temps. Ainsi, notre marche de jour comme de nuit aura un goût d'éternité. Et que la bénédiction de Dieu nous garde. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de son Fils Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Amen.